Cet expert analyse l'authenticité de ses œuvres. Il faut tout regarder et tout observer. Ce matin, c'était l'opération de vetting, c'est-à-dire l'authentification. Les pièces présentes sur le salon sont passées au crible par une équipe de spécialistes. Je peux détecter une attribution fausse ou bien un travail présenté comme original, alors c'est une lithographie, présentée même parfois des œuvres présentées comme lithographie, alors ce sont des reproductions mais bien faites. Voilà, c'est mon métier, avec une, bien sûr le côté humain, donc il y a une marge d'erreur qu'on essaie de réduire au maximum. Cette année, 120 antiquaires venus des quatre coins d'Europe exposent pendant 10 jours. Ils se prêtent volontiers à cette vérification de leur collection. Les experts sont très importants parce que c'est eux qui vont dénoter la qualité de la foire. Donc ils ont droit de regard sur tous les objets et surtout que toutes les étiquettes reflètent bien l'expression de l'objet. L'édition 2013 de Rantica met l'accent sur les jeunes talents, aussi bien experts qu'antiquaires. La tendance pour la nouvelle génération, c'est la spécialisation dans des époques bien définies, le XXe siècle et le vintage. Le salon se tiendra jusqu'au 24 mars.